première édition de la Coupe du maire de Sinyang a vécu. Dans une ambiance carnavalesque, les populations de cette localité du département de Bindiona ont communié avec l'aide de la collectivité locale Yankuba Sagnon. L'histoire retiendra que Yankuba Sagnon est celui qui a présidé à la première finale de la Coupe du maire de la commune de Sinya organisée par les zones 8 et 24 de l'ODECAF de Bignona. Accompagné de ses adjoints et des membres du conseil municipal, sans occulter la présence massive des populations, le moment a été impressionnant et jovial. En présence du sous-préfet de Sinya, du colonel commandant le secteur nord Sinya, des représentants des maires de l'arrondissement, tous derrière le maire, le pourtour a très tôt affiché le plein. Personne ne voulait se faire raconter l'événement. La rencontre mettait aux prises les ASC Kuyonkol de la zone 24 et celle de Medjeg de la zone 8. Un bon match auquel le public se souviendra encore. Après le coup de patte symbolique donné par le maire adjoint Yaya Badji et qui, certes, lui rappelle beaucoup de souvenirs, le coup de sifflet officiel ne s'est pas fait attendre. Sans round d'observation, les deux équipes ont tout de suite sorti les griffes du beau jeu dans le fair play, sous les vivas des supporters. Voilà l'ambiance qui se dégageait au terrain de football de la localité. Différentes phases de jeu ponctuées de séquences d'attaques réciproques et répétées ont été notées. Comme quoi le beau football se pratique même dans les contrées les plus reculées du pays. Et ce n'est qu'à la 34e minute que surviendra le premier but marqué par les joueurs du village de Medjeg. L'air de jeu est tout de suite envahi par les supporters déchaînés. Vers la fin de la seconde partie de la rencontre, l'AS Medjeg inscrit son deuxième but, tuant ainsi les espoirs de la très jeune équipe de Kuyonkol. L'occasion a été saisie par le premier magistrat de Sinyang pour souhaiter une très belle année 2016 à toute la population des 19 villages qui constituent cette collectivité locale. Ce tournoi que nous venons d'organiser aujourd'hui et qui vient de connaître son épilogue aujourd'hui est l'occasion pour moi de souhaiter mes meilleurs voeux à toute la population de la Casamance, toute la population du département de Bignona et toute la population du Fogny, en particulier toute la population de la commune de Sinya. Mes voeux les meilleurs, mes voeux d'une année de paix, d'une année de prospérité, d'une année de bonheur et une année de réussite dans toutes nos entreprises. Vive la fête du football, vive la jeunesse debout de la commune de Sinya. Ce tournoi n'a pas de vainqueur. Même s'il y a quelqu'un qui va recevoir le beau et gros trophée ici présent, il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est le sport. Toutes les équipes qui ont participé aux phases finales de cette toute première édition ont reçu des récompenses et le maire a promis de faire mieux les années à venir pour offrir à sa jeunesse de réelles opportunités de s'épanouir.